Ok, Non. très bien. Bon, on va commencer la théorie maintenant. Voilà, donc on était arrivé à cette étape-là lors du dernier cours. Passage en perspective avec des volumes simples et déjà une première passe d'habillage au niveau du sketch. Attention, on est toujours au niveau de la taille de l'image, enfin on est passé à la taille, au niveau de la taille de l'image à du 3000 par 3000. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je vous ai déjà montré un exemple de mise au net. Et donc, entre le sketch qu'on avait fait en 1000 par 1000 et cette abscisse de mise au net, on va augmenter la résolution. Donc, si je remets ce qui était avant, donc on était en 1000 par 1000. D'accord? Donc ça, c'était la résolution qu'on avait avant, et c'était très bien pour faire du sketch, d'accord? Maintenant, pour la mise au net, on va aller beaucoup plus loin dans la définition. Donc là, je vais enlever ça et je vais faire image, image size, et je remets 3000 par 3000. Faites pas comme moi, hein. Ici, j'étais en arrière pour vous montrer comment resizer ça. Ok, donc on sait qu'on va devoir donc faire un ancrage qui va aussi donner plus de détails que juste du sketch. Donc on va ramener du détail pour ancrer le personnage dans une réalité. C'est-à-dire que des habits, et ça va être une des clés, c'est parce que tout ce qui est construit, tout ce qui est cousu, donc des chaussures, des habits, etc. Ça a été fabriqué, d'accord, avec plusieurs morceaux. Et donc ça a été cousu. Et il faut garder cette logique de construction et faire figurer ces éléments de construction d'habits dans votre sculpture, puisque c'est ça qui va rendre crédible et qui va nous faire oublier la 3D. Si on garde un bloc avec des plis, même s'ils sont très bien sculptés, et qu'on tourne autour et qu'on voit que ben, il n'y a pas du tout de jonction de morceaux de tissu ou des petites irrégularités, etc., ou des doublures, ben, ok, on va tout de suite comprendre que c'est fake. Donc on va ramener des éléments de notre réalité dans le concept pour qu'il soit plus crédible en fait. Alors, je vous propose encore une fois de rajouter un layer blanc, de le mettre à une opacité plus basse et de, encore une fois, replacer les deux layers de contrôle. Donc ici, c'est le layer de contrôle courbe qui transforme ce qu'il y a en dessous en bleu et le teint de saturation. Bon, je n'ai pas besoin du layer blanc du coup, puisque le teint de saturation avec la lightness le rend plus blanc. Mais là, je vais augmenter la saturation et changer légèrement la U. Le but, c'est de pouvoir venir avec du noir par-dessus le dessin pour venir faire aboutir le sketch. Alors, je ne vais pas faire une mise au net directement. Donc, si vous êtes assez à l'aise avec le dessin, si vos idées sont déjà bien présentes dans vos têtes, vous pourriez déjà commencer à faire la mise au net en faisant l'étape de détail en même temps. Ici, je vais séparer les deux pour que vous compreniez justement la notion de moyenne fréquence et de tous les détails qu'on va devoir ajouter pour rendre ça crédible. Alors, ça peut être des accroches osseuses, ça peut être des moyennes fréquences à l'intérieur des os, mais ici, dans ce cas-ci, ça va être surtout au niveau des accessoires, rajouter un maximum de détails. Et alors, je lui avais mis des chaussures dans la V2. Alors, la V2, est-ce que c'est exactement au même endroit? Donc, ici, je vais vérifier. Parce que je vais lui remettre ses chaussures ici aussi. Ok, c'est pas au même endroit. Donc ici, je chipote un peu entre mes deux fichiers juste pour pouvoir lui rajouter ses chaussures sans devoir tout redessiner.
Voilà, donc c'est pas tout à fait à la même taille. Donc là, je mets ligne d'horizon sur ligne d'horizon. Voilà. Ici, c'est plus ou moins la même taille. Et donc de ça, je ne garde que les chaussures. Ok, donc il a bien des chaussures. Alors, quand on va commencer la prochaine version du sketch, donc étant donné qu'on a augmenté la résolution et qu'on est passé à du 3000 par 3000, forcément la taille du pinceau va changer. Si je garde mon pinceau habituel de Pencil Brush 6, ben on voit que c'est déjà c'est très très fin. D'accord? Pour du sketch, pour moi, c'est un petit peu trop fin. Donc, par exemple, ici pour du sketch, je passerai à 12. Donc, la taille de votre pinceau est directement en relation avec évidemment la taille de votre image hein, en pixels. Donc, ici, on n'est pas dans un référentiel pour imprimer. Donc, quand on regarde la taille de l'image, sa taille en centimètres et sa résolution en points par pouce, on s'en fout, d'accord? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de pixels sur combien de pixels, puisque c'est du digital en fait. 3000 par 3000, bah, ça permet d'avoir assez de finesse pour faire d'assez de points pour faire un ancrage propre avec des lignes qui sont précises pour les détails, d'accord? Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est aller rechercher des références de moyenne fréquence qui vont nous permettre de rajouter les détails qui manquent. D'accord? Alors, au niveau des os, ça peut être des craquelures, ça peut être des formes secondaires. D'accord? Donc, ici, je reforme une tempe. Ici, je vais reformer le creux de l'œil. Et on va reformer aussi des pommettes. Si jamais vous n'avez pas d'idée pour cette étape-là, bah vous allez chercher dans vos références directement. Soit dans les références de votre personnage de base, soit vous allez chercher des références de photos. D'accord? Donc pour tout ce qui est anatomie, si vous n'avez pas l'habitude de représenter de l'anatomie, eh bien vous allez chercher des références au niveau du crâne. Vous pouvez aussi aller chercher des références au niveau des muscles et les transformer en os. En os. D'accord? Et donc tous ces détails en fait, eh bien ce sont des détails que vous allez reproduire après en 3D. Et donc placer ces détails ici directement dans votre sketch, eh bien ça va être un rappel pour ne pas les oublier de les mettre quand vous passerez en 3D. Alors ici, je ne vais pas lui faire 50 dents, enfin 32 dents. Je vais directement aller sur des canines. Et donc on conserve les raccourcis qui sont donnés par la vue de trois quarts. Et donc ça, c'est important de conserver son gabarit pour...
Donc ici, j'ai ma ligne médiane. Hein. Je conserve bien cette ligne médiane ici pour qu'on continue à avoir l'illusion de cette perspective. Et donc ici, je rajoute les moyennes fréquences. Donc là, par exemple, quelques petites nervures et des volumes secondaires dans le crâne. Monsieur, Oui. est-ce qu'en prod on demande des vues orthographiques? Pour Ça le dépend. modeling, je veux dire. Est-ce qu'il y a vraiment une technique de modeling qui joue avec la vue orthographique? Alors, il y a des prods qui le demandent, des prods qui ne le demandent pas. En fait, ça dépend un petit peu du type de prod. Donc, il y a des prods où vous recevez, où vous produisez juste des sketchs de trois quarts. Et il y a des prods où vous avez juste des orthos. Et il y a des prods où vous avez les deux. Ça dépend vraiment. Il y a des studios qui. Il n'y a pas de politique générale homogène. C'est pour ça qu'on voit un peu les deux. Je vois, merci. Donc, par exemple, on peut regarder Massive Black. Massive Black. Concept 2D. Voilà, on va voir par exemple Marco. Attendez, hop. Tiens. Massiveblack.com, voilà. Est-ce qu'il y a encore des... Bon, ça a un peu changé. Leur portfolio n'est plus... Bon, ils ont été rachetés apparemment. C'était une ancienne boîte qui faisait du concept pour le jeu vidéo. Des sous-traitants? Ouais. Ah oui, c'est Six More Vodka maintenant. Donc il y en a un qui a créé une nouvelle boîte qui s'appelle Six More Vodka. C'est Marko Djurjevic. Boîte de sous-traitance aussi. Principalement de concept. Mais ils font de la 3D aussi. Donc Dead Genesis, là, c'est leur projet personnel. Donc c'est beaucoup d'illustrations de prod, mais ils font aussi du concept et j'essaye de trouver. Alors peut-être que. Ouais non, ici ils montrent plus que du. Monsieur, sur leur site, il y a tout leur concept. Sur Six More Vodka? Ouais, il y a leur concept dans un onglet. Sur Dead Genesis ou sur Non, sur Six More Vodka, normalement. y a le shop. Je vous l'envoie dans le chat parce que je pense que le site il est même plus référencé en fait. Ouais, bah écoute, je vais regarder ici si. Voilà. Merci, hein. Enfin, moi je trouve que c'est une référence, hein, au niveau qualité. Voilà. Donc eux, ils travaillent principalement quand ils font du concept sur du sur des mises en perspective ou sur ce genre de projet. D'accord? Donc ils font peu d'ortho, mais j'ai déjà travaillé avec eux sur un projet.
Si tu leur demandes, bah, ils peuvent aussi créer les orthos pour que tu puisses comprendre ce qui se passe derrière le personnage, etc. C'est aussi à ça que servent les orthos, parce que là, si tu reçois ça, tu sais pas forcément ce qui se passe dans le dos, d'accord? Ou dans certains détails. C'est Donc, incroyable en tout cas. oui, c'est une super ref, hein. C'est vraiment du bon boulot. Ici, il y en a d'autres, des plus anciens. Et je me demande si, voilà, ici, il y a des... Voilà, ici, c'est des orthos. Donc, en fonction des projets, tu peux avoir différents types de... Voilà, là, c'est aussi des orthos. Et tu peux avoir soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ça, c'est des bonnes refs pour votre projet HD, si vous voulez. Maintenant, il y a des projets où c'est que à partir d'ortho. Mais ce qui est dangereux avec les orthos, c'est de croire que ça marche avec un personnage comme pour une voiture ou un avion. C'est pas le cas en fait, hein. Donc les orthos d'un personnage, c'est en général, en tout cas de mon point de vue, parce que j'ai travaillé sur des prods où les directeurs artistiques voulaient qu'on se cale sur les orthos pour faire le personnage en 3D. Il n'y a rien à faire. Des orthos de personnages, c'est, comme je vous dis, c'est pas du dessin technique d'avion. Donc les vues correspondent pas forcément. Et une fois que c'est construit en 3D, ça donne pas toujours super bien quand on se cale sur les orthos. Donc il faut pouvoir aussi avoir son œil, s'en détacher et évaluer ce que ça donne en 3D. Donc ça dépend vraiment des philosophies. Moi je trouve qu'une ortho c'est fait pour ne pas être suivi comme un dessin technique, mais pour donner tous les détails et toutes les vues et tout ce qui doit être modélisé. Alors on s'y réfère pour les formes générales, pour les proportions, pour la taille, pour le placement des éléments principaux, mais une fois qu'on part sur un visage, si on se cale sur des orthos et qu'il y a des décalages entre le profil et la face, c'est un cauchemar parce que ça donne des monstres. Et donc là, on va travailler sur des analyses morphologiques plutôt, par exemple. Mais encore une fois, chacun a son point de vue, il n'y a pas qu'une vérité, il y a plein de moyens différents, de manières différentes de travailler, des pipelines différents. Je pense que sur Overwatch, ils travaillent avec des orthos. Ouais, ben en fait, ici, sur Overwatch, ils travaillaient. Alors, c'est des orthos, mais c'est pas vraiment des orthos non plus. Enfin, si, ça, c'est des orthos, en fait. Je crois que c'est des fans C'est concept, fan-made, ça. ouais. Faudrait tomber sur les trucs officiels. Ok, lui, on dirait qu'il a bien travaillé sur... En Oui. fait, c'est ultra propre, mais c'est pas du tout officiel. Ça, Donc il c'est y a ultra propre, mais c'est pas officiel. ouais. Ok. Kirim machin là, c'est ultra propre, mais c'est pas officiel du tout. Il faudrait que je regarde ici Overwatch Concept Artist. Mais Overwatch. regardez, mais le meilleur moyen de tomber sur des concepts officiels, c'est de peut-être potentiellement mettre un event, genre par exemple Overwatch Halloween ou Ouais. voilà, par exemple Sombra là tout à droite, Ouais. c'est un officiel. Super. Ok. Donc ça, c'est les concepts officiels d'Overwatch. Oui. Excellent. Bah là, on n'est pas du tout sur des orthos, on est sur... Mais il fait parfois, voilà, des dessins du dos aussi. C'est parfois un peu de l'ortho quand même, hein. Parfois un Oui. peu beaucoup même. Bah, de l'ortho, pour moi, c'est face profil dos, tu vois, de manière très flat.
Ouais. Là, on ne sait jamais, hein, parce que concrètement, on dirait clairement qu'il y a des dispositions pour en faire de l'ortho, mais que parfois ça ne propose que, enfin, je sais pas, le concept art de présentation pour le mettre sur son portfolio, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont tous de l'ortho, mais qu'il n'a pas posté toutes les orthos. C'est possible. Mais voilà, donc il y a des projets où vous pouvez trouver des projets où c'est full ortho tout le temps en fait. Donc ça dépend vraiment du directeur artistique, de l'orientation, du type du fric aussi, parce que faire un concept 3D et en perspective en couleur, ben ça coûte moins cher que de faire ça plus des orthos, par exemple. Et ça prend moins de temps, peut-être. Donc en tout cas de ne faire que ça. Donc voilà, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte dans les choix. Et ici, on voit un peu les deux. Comme ça, bah, vous avez une idée. Une idée de différentes méthodes en fait, différentes manières de travailler. Vous allez pouvoir voir aussi la différence que ça donne sur vos propres projets. Alors ici, on est dans du légèrement stylisé, donc on ne va pas non plus obligatoirement refaire toutes les subtilités, mais on peut quand même entrevoir des moyennes fréquences. Et alors, quand vous faites votre dessin en perspective, toujours bien, ah non, pas faire un flatten, c'est pas une bonne idée. Par contre, toujours bien, non plus, raccourci, voilà. Toujours bien flipper votre image, d'accord? Flipper votre image, ça va vous donner une autre vue sur votre dessin et ça va vous permettre de régler des petits soucis d'alignement où il y a des détails en tout cas que vous acceptiez plus facilement. Dans un angle de vue que vous allez qui va vous sauter aux yeux et que vous allez pouvoir corriger dans un autre angle de vue. Alors vous voyez ici que pour effacer, je ne change pas de brush, je ne prends pas la gomme. Ici, je peins en blanc. C'est une manière de travailler qui me convient. D'accord? Donc je passe du blanc au noir. Donc au noir, je crée mon sketch et en blanc, ben, j'efface. D'accord? Et ben, ça me permet de facilement, sans devoir changer de touche pour passer du pinceau. Parce que sinon, c'est B et E. C'est deux touches différentes. Ici, avec une seule touche, je passe du blanc au noir, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la touche X qui permet de passer de la couleur d'avant-plan et couleur d'arrière-plan. Et donc c'est ces deux couleurs-ci. Donc si vous avez des couleurs qui ne sont pas blanc et noir, je vous montre comme ça vous savez pour plus tard. Vous cliquez sur D pour les mettre en blanc et noir. Et puis avec X, vous passez de l'avant-plan à l'arrière-plan. Et donc l'objectif, c'est voilà, de commencer à ramener les moyennes fréquences, ramener des détails
d'éléments un petit peu plus concrets sur le sketch qu'on a réalisé, tout en gardant au niveau visuel les proportions, le style, les angles. Donc ici je lui fais une mâchoire un petit peu plus marquée. Bon, j'ai une vieille tablette, c'est parfois un peu bizarre les trucs que ça fait. Ok. Et donc on va faire ça sur tout le personnage. Donc tout ce qui est os, on va rajouter quelques éléments au niveau des jointures, quelques moyennes fréquences, et au niveau des habits. Donc moi ici j'ai des habits qui sont relativement déchirés, mais on va quand même. Alors ici, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter comme moyenne fréquence sur des habits? On va commencer par rajouter des plis. Alors, quand on rajoute des plis, on fait toujours une petite étude. D'accord? Donc, au niveau de l'étude des plis, on va cibler des points dans le personnage qui vont être des points qui vont générer des types de plis différents. Et donc, au niveau des points qu'on va cibler, on va avoir des points où le tissu est compressé. D'accord? Donc ici, par exemple, si j'ai un pantalon, le tissu va être compressé par la chaussure qui va arrêter le pantalon. Et quand on a le tissu qui tombe sur un point donc de compression, on va avoir comme type de pli des zigzags. D'accord? Et donc les zigzags, on va les faire plus serrés quand on est proche de l'endroit de compression, et plus on s'éloigne, plus le zigzag va être. Je vais changer de couleur parce qu'on ne le voit pas. Plus le zigzag va être va s'élargir, d'accord? Donc on a un zigzag serré près de la zone de compression et il va en s'élargissant au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Et les zigzags, on peut les faire dans un sens et puis dans l'autre. Pas forcément en symétrie, et toujours en suivant le volume le volume simple de base, d'accord? Et donc, qu'est-ce que ça fait apparaître? Ça fait apparaître des losanges, d'accord? On voit ici que les deux séries de zigzags l'un dans l'autre font apparaître ces losanges. Et qu'est-ce que ces losanges vont nous permettre de faire? Eh bien, ça va nous permettre de faire des plis qui correspondent au niveau de la silhouette à ces zigzags. D'accord? Et donc, on va pouvoir créer des réseaux de plis et une silhouette qui correspond à du tissu qui est replié sur lui-même. Et avec les ombres et les lumières, on pourra venir rajouter des ombres à l'intérieur des creux et faire comprendre que le tissu est plié sur lui-même. Ça va? Donc quand on a une compression du tissu, on va retrouver du zigzag et c'est ça qui va nous permettre de créer des plis. Un autre type de plis, c'est des plis qui se font à partir d'une zone
de repos où le tissu touche le est en contact directement avec ce qu'il y a en dessous. Donc là, je vais reprendre un réseau. Et donc, on va trouver ça, par exemple, à partir du coude ou à partir du genou. À partir d'un endroit donc où le tissu touche la surface, on va voir un système de plis en soleil. D'ailleurs, qui va suivre aussi les formes. On peut trouver aussi ce genre de réseau à partir du tissu qui est posé sur l'épaule, où on va avoir aussi un soleil qui part de là. Toujours bien suivre la forme. Hein. Et donc on pourrait avoir aussi ce genre de réseau à partir d'ici, et donc avoir une série de plis qui vient à partir de la zone qui est posée sur l'épaule. Et donc sur l'épaule elle-même, il n'y a pas de plis. D'accord? Donc c'est des zones qui sont vierges de plis en général. En plus, on va imaginer que le personnage va être animé, et donc on va faire exprès de ne pas mettre de plis sur le genou, par exemple, pour que quand il est animé et qu'il plie le genou, ben, il n'y ait pas un gros pli qui soit distordu au niveau du genou. Donc on va laisser les coudes, les genoux, les fesses, le dessus des épaules vierges de plis pour la déformation. Parce que si on met un pli là et que ça se déforme, le pli va être complètement soit écrasé, soit distordu et étiré, et ça va causer des problèmes. Donc, on a les plis ici de compression, avec les formes de losanges qui s'imbriquent les uns dans les autres. On a des plis de contact. Et là, c'est le soleil. On a des plis d'enserrement. Et les plis d'enserrement, c'est par exemple si vous avez une ceinture, donc une zone où le tissu va être enserré, et on va voir apparaître des formes de V, en fait, qui viennent s'insérer ici. À l'intérieur du tissu, tout en suivant les formes aussi. Donc là, c'est enserrement. Et donc là, on a la forme, c'est des V dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va avoir des plis de forme. Et là, ben, on va suivre les formes. D'accord? Donc là, j'ai un volume cylindrique qui correspond à l'os qui est ici. Eh bien, je vais faire des plis de forme qui suivent la forme. Je vais expliquer après hein, comment sketcher ça pour que ça ait l'air plus ou moins naturel. On va avoir la forme ici qui fait le tour du bras. Et on va avoir la forme ici qui suit la jambe. On va avoir ici l'enserrement autour de la cuisse. Et en fait, vous voyez que l'objectif, c'est de sketcher, donc, trouver les différentes zones, sketcher les différents réseaux, et après on va essayer de les connecter entre eux. D'accord? Donc on va connecter par exemple le pli de contact qui part du genou avec le réseau en losange qui va jusqu'à la compression.
D'accord? Et là, on voit que bah, on a un type de forme qui apparaît aussi ici, qui correspond à quelque chose qu'on connaît. Et donc là, on va essayer de résoudre les différents réseaux et de les connecter entre eux. On connecte les plis de forme, donc qui suivent le dessin analytique en fait, donc les formes de base. Et ça dépend de votre jeu de base. Et donc tout le travail, ça va être d'essayer de sketcher, de comprendre les différents points, pouvoir les analyser sur votre personnage, et puis commencer à sketcher des réseaux et les connecter entre eux. Ça va? Quand vous sketchez, il faut faire attention à trois choses. Donc il faut rajouter et insuffler du chaos naturel dans les plis. Et donc on va éviter les rythmes répétés. Au niveau des angles, au niveau distance, donc longueur, et au niveau des espaces entre les plis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben regardez ici, l'angle entre ces deux plis-là n'est pas le même que l'angle entre ces deux plis-là, d'accord? Encore n'est pas le même que l'angle entre ces deux plis-là. Si je fais un truc avec des angles similaires tout le temps avec le même angle, eh bien on voit que ça commence à devenir un petit peu plus mécanique, d'accord? Et donc ça, il faut absolument casser. On voit que la longueur de ce pli-là n'est pas la même que celui-là, qui n'est pas le même que celui-là. Et on évite les plis de la même longueur parce qu'encore une fois, c'est beaucoup trop mécanique et c'est pas assez naturel. Et on va aussi éviter donc de faire les espaces qui se répètent. D'accord? Donc si on a trois plis qui sont parallèles ou quatre plis, on va éviter la répétition au niveau des espaces, on va plutôt faire deux qui sont proches et puis un moyen et un plus loin. D'accord? Donc on essaye vraiment de créer du chaos naturel quand on fait le sketch des plis. Donc tout ça, ça va m'aider à sketcher les plis. Et donc sur les parties tissu, eh bien je vais commencer à créer des réseaux en essayant de tenir compte de tout ça. Donc là c'est des plis de forme, ici ça va être des plis qui sont insérés ici dedans, des plis de forme toujours. Ici, j'ai des V qui viennent se marier avec les plis de forme pour donner la notion d'enserrement. Ici, j'ai du cuir, mais le cuir va me permettre aussi de faire des plis qui seront peut-être un petit peu moins fins, mais là, j'ai clairement des plis d'enserrement, donc j'aurai la forme de losange qui reviendra ici en fait. Dans du cuir.
D'accord, donc là j'analyse mes réseaux, là je vais faire des plis de forme au niveau de la pliure des orteils. Alors peut-être qu'il n'y en aura plus beaucoup qui se verront vu que la chaussure est déchiquetée et il y a des lacets, mais au moins comme ça j'ai mon sketch qui est prêt. Donc ici au-dessus, je ne vais pas mettre trop de plis, peut-être juste le bord qui est un petit peu chiffonné, mais je vais plutôt faire donc ici des rayons. Encore une fois, j'essaye de varier la distance. Bon, il y a aussi évidemment des plis qui pendent, donc ça j'ai pas analysé, mais par exemple pour une jupe et une robe, et à un moment donné, ben, les plis, ben, ils vont pendre, et ben là on fait des plis verticaux plutôt, et en fonction de la gravité. Et ça va donner donc du modelé dans la bordure elle-même. Donc ensuite, je vais placer les bordures avec des éléments qui sont bien déchiquetés dans mon cas. C'est toujours du sketch, hein. Donc, je ne fais pas de mise au net encore pour le moment. Et donc ici, bah, je peux visualiser ce que donnerait cette partie de tissu-ci s'il n'y avait pas de trou dedans. Et puis je peux venir trouer rajouter des trous. Et donc là je travaille un petit peu plus sur des fréquences un petit peu moins un petit peu plus fines en fait. D'accord, et donc là on passe de quelque chose qui était relativement peu défini à quelque chose qui est beaucoup plus défini au niveau des informations qu'il y a dedans. D'accord? On va quand même penser que c'était un habit qui a été cousu. Et c'est là qu'on va rajouter, toujours en gardant la stylisation, qu'on va rajouter certains détails. Alors là je vais faire un nouveau layer. Et bah, ici, j'aimerais bien que les coutures soient apparentes. Et là, donc, là, je vais suivre la forme des plis pour venir rajouter les coutures. Et je pourrais même faire des stitches ici de couture pour garder aussi le côté un peu stylisé, caricatural. Il y en aurait peut-être là au-dessus et il y en aura peut-être aussi ici sur le côté. Et là, bah, pour le moment, c'est du sketch, donc je fais juste les repères dont j'ai besoin. Ça, c'est la partie qui va revenir ici, derrière la cage thoracique. D'accord? Et là, je vérifie si ça fonctionne de l'autre côté. Donc, on vient de voir comment rajouter les moyennes fréquences au niveau des plis, comment rajouter les derniers détails au niveau des coutures. On pourrait aussi ajouter des doublures. Mais ça, tout dépend le style que style d'habit, style de finition au niveau des habits que vous voulez donner. Excusez-moi, monsieur, Oui. mais est-ce que vous pourriez très rapidement montrer la transition des plis dans une jupe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc qu'il y a des plis verticaux et il y a des plis horizontaux et j'arrive vraiment pas du tout à le faire. Et si vous aviez un petit tips pour ça, Ouais. beaucoup. Merci. Mais en fait, tu peux aussi partir de référence sur Internet, hein, si tu si t'as besoin, attends, je regarde si. Ouais. Donc si tu as besoin
de voir un petit peu comment ça se passe. Tu peux essayer, à partir des points que j'ai montrés, tu peux essayer de retrouver ces points-là sur des références. Donc ici, s'il avait une jupe qui tombait droite, hein, on va dire qu'il n'a pas les jambes pliées, ou qu'il est, je sais pas, on va faire une jupe droite. Donc le volume de base, ce serait quelque chose comme ça. D'accord? Avec les plis qui tombent ici en dessous. Et donc là, j'essaie de faire du chaos pour ne pas qu'il y ait de répétition. Et avec des plis qui viennent s'insérer dans la ceinture ici. Et on peut avoir des jonctions entre les deux. Et c'est là qu'on essaye de faire des ponts entre les différents éléments. Maintenant, ce qu'il pourrait y avoir aussi, c'est que les jambes soient légèrement apparentes et qu'on ait des choses qui soient un petit peu plus pendouillantes ici à cet endroit-là. Dans ce cas-ci, on n'a pas ceci qui rejoint directement ça, mais on a des jonctions entre les trucs qui pendent ici et les plis qui pendent. Et les plis qui pendent, ben on va essayer de trouver aussi des manières de les. De faire en sorte qu'ils influencent la bordure de la jupe. Donc il faut faire des liens entre ce que vous mettez à l'intérieur et la bordure ici à l'extérieur. Donc là, j'essaie de trouver, tu vois, des liens entre tout ça. Ouais, bah c'est nickel, c'est exactement ce dont j'avais besoin sur mon perso. Monsieur, Oui. je me posais une question par rapport au sculpting du personnage. Est-ce que vous autorisez les IMM pour tout ce qui est boucle de ceinture, Oui, hein. etc. Sans Oui, se manger. ouais. Ça va, merci beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible d'en fabriquer soi-même les IMM? Oui, c'est pas prévu qu'on voit ça en Q1, on va voir ça en Q2, mais c'est pas très compliqué en fait. C'est pas très très compliqué du tout. On pourra. Rappelle-moi ça une fois qu'on passe à un cours théorique de ZBrush, et si j'ai le temps, je montrerai ça pour. Parce que c'est pas. Enfin, rien n'est vraiment compliqué dans ZBrush, mais ça, en tout cas, ça l'est pas du tout. Mais par exemple, si je fais un réacteur dans Maya, est-ce que je peux le transformer en IMM? Oui. Ok, c'est super ça. Il y a juste une chose, c'est que il faut pas que les IMM représentent 50% du travail final, d'accord? Donc les Ouais. IMM, c'est pour ajouter. Allez. Les 5, 10, allez, maximum 15 derniers pourcents de détails, boucle de ceinture, les boutons, on va faire hein, des boutons, des rivets, des machins pareils. On va pas commencer à les sculpter un par un ou en sculpter un. On va en faire un propre. On pourrait même le faire en low poly directement et high poly pour le placer en même temps en IMM, ça oui. Par contre, si les IMM que tu vas choper à droite et à gauche représentent 50% du perso, ça va pas non plus quoi. Je vois, donc c'est vraiment pour tout ce qui est haute fréquence, quoi. Mais encore une fois, si c'est des IMM que tu fais toi-même, t'en fais autant que tu veux. Et ça peut représenter 75%, 100%. Si tu les fais toi-même, ça peut être tout ton personnage. Je veux dire, à partir du moment où tu fais ton IMM, c'est ton travail à toi. Ici, je parle d'IMM que tu peux aller chercher sur les outils de ZBrush qui existent déjà. Donc j'autorise à aller chercher des boutons de ZBrush qui existent déjà et les utiliser comme IMM à 5-10% pour finaliser tout ça, quoi. Comme Ça va, la merci. boucle de ceinture qui existe déjà aussi, comme les tirettes qui existent déjà aussi, par exemple. C'est fait pour s'en servir, en fait.
Thomas. Ouais, c'était plus pour tout ce qui est câble en fait, ça m'intéresse. Alors, câble, il y a d'autres brushes qui permettent de faire des... Ah si, on pourrait utiliser aussi des IMM. Alors, c'est des IMM avec l'option curve. Des IMM qui se répètent sur une courbe pour faire des câbles de plus ou... Et voilà, plusieurs longueurs. exactement. Ouais. Bon, bah écoute, tout ça est prévu en Q2. D'ailleurs, on va faire nos mèches de cheveux avec ce genre d'outils nous-mêmes. Mais tu peux prendre un peu d'avance si tu as envie. Ouais. Ça va? Ça va. Bah, je propose qu'on fasse une petite pause maintenant. Je vais continuer à détailler la partie du dessus du corps et peut-être passer déjà. Non, je vais y aller tout doucement. On va continuer à faire le sketch. D'accord? Donc sauver ceci. 5, pouf. Excusez-moi, monsieur, j'ai une petite question en plus dans mon concept. Ouais. Parce que depuis le début, j'entends tout le temps, et surtout de vous, que le hard surface, ça va prendre beaucoup de temps en Ouais. Q2, etc. Mais En moi, vous Q1 m'avez aussi. validé mon concept, mais le truc, c'est que c'est presque full hard surface, quoi. Je veux dire, il a des gants hard surface, un plastron hard surface, un casque hard surface. Et du Ouais. coup, je me demande si c'est pas un projet irréalisable dans lequel je me lance, quoi. Bah, C'est tu poses les le bonnes regret. questions. Donc c'est ce que je dis, hein, c'est ce que j'ai répété aussi. Moi, si vous voulez faire du hard surface, vous pouvez, mais ça va vous prendre plus de temps et ça va être plus compliqué que ce que je demande. D'accord? Alors je le valide parce que je ne veux pas vous brimer. Et si c'est vraiment ça que vous voulez faire, ben, vous pouvez le faire. Par contre, je vous mets en garde. Et c'est vrai que si tu te poses ces questions-là maintenant, peut-être qu'il est encore temps de changer, oui. Et alors, au niveau de la manière de le faire, je devrais tout faire dans ZBrush ou alors je peux faire des pièces dans Maya et après je les mets dans ZBrush. Enfin, c'est quoi qui ira le plus vite pour moi? Sachant que je connais pas le hard surface dans ZBrush, quoi. Donc, on parle du personnage de Q1. Ouais. Ok. En Q1, il n'est pas prévu qu'on voit comment faire du hard surface dans ZBrush, parce que c'est prévu pour le Q2 et parce qu'on a déjà assez de choses à faire dans Q1 par rapport aux objectifs, qui sont le contrôle des formes, les moyennes fréquences, et faire des plis, ceintures, chaussures. Qui sont des objets plus simples à faire que des objets en hard surface, mais qui permettent déjà de bien contrôler la sculpture et pouvoir s'exprimer formellement. C'est les objectifs. Toi, tu te mets des objectifs supplémentaires. Je vais sans doute voir, peut-être brièvement, comment faire des objets hard surface en Q1, mais tu n'auras peut-être pas la panoplie des outils pour tout faire dans ZBrush. Donc, comme j'avais dit au cours, vous pouvez passer par Maya. Et c'est vrai que si tu veux un personnage complètement à surface, c'est mieux de faire ça. Mais alors, tu perds les objectifs du cours de ZBrush. Donc, voilà, si tu vois que ton concept ne correspond pas et que ça va être la galère, mais il est temps de changer. Je veux dire, on n'est encore qu'au dessin, donc il n'y a pas de souci. Les proportions, on les a bloquées. Tu perds pas tes proportions si tu fais des habits ou du hors surface sur les proportions qu'on a bloquées. Donc, pour le moment, t'es pas pénalisé. Ok, ça va. Et c'est possible si je fais quand même, parce que j'aime bien mon projet, donc j'ai quand même envie de continuer Mais dessus. c'est pour ça que je C'est veux pas vous possible. brimer, c'est pour ça que quand on s'attache à son projet et qu'on a envie de le voir naître en 3D, c'est une grande source d'énergie, et donc c'est ça qui va être le moteur de ton apprentissage. Donc je peux pas te dire non, ne le fais pas. Mais je te Ok, préviens ok. juste que c'est beaucoup plus de boulot et que je ne verrai pas tous les outils qui te permettraient de le faire dans ZBrush. Et que tu vas peut-être passer à côté de certains autres objectifs, et donc fais attention quand même de me montrer que tu sais aussi sculpter des plis, sculpter des os, sculpter ce que j'ai demandé, quoi. Oui, mais j'ai fait exprès de garder du tissu Ouais. et des os et une ceinture quand même pour avoir les objectifs. Parfait. Mais si je fais un peu de hard surface dans Maya, j'imagine qu'après, quand je les rentre dans ZBrush, c'est facile de rajouter du détail dessus de la même Ouais, manière. tout à fait, tout à fait. Super. Merci bien. Tu fais un box modeling super clean dans Maya
Et dans ZBrush, après, on va transformer ton box modeling en objet art surface avec plus de détails, où tu pourras rajouter des bordures qui sont un peu abîmées, des petits coups de, des petits éclats de machin, etc., pour lui donner de la vie et faire croire que c'est vraiment un vrai objet, ouais. Mais après, Hugues, je vois c'est quoi ton concept, et franchement, ces déchets, tu pourrais peut-être les faire dans ZBrush avec le Knife Brush. Hein. Ok, mais faut que je trouve le temps de me former un peu là-dedans. Mais Si si à un tu veux, je peux moment te on fait une montrer. session de travail, ouais, ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse bien. Ça peut être sympa. C'est gentil en tout Super, cas. super. Ok, petite pause. Donc, il est 10h48 à 10h. Oh ouais, 10h58, on se retrouve. À tout de suite.
Ok, on est reparti. Monsieur, Oui. par hasard, est-ce que vous allez à la Big Brotaroo ce soir? Hélas, non. Ah, d'accord. Non, j'ai mes mouflets et donc. Mais c'est. Si j'avais pas eu les mouflets, j'y serais allé avec grand plaisir. Le problème, c'est qu'il faut le CST, non? Ouais, il faut le code. Moi, je l'ai pas. Je suis un rebelle. Bon. Comme le personnage. S'il te plaît? Comme votre personnage. Oui, c'est de vrai, sûrement. Pop, pop, pop. Donc, on en était ici en dessous. Donc, même principe pour pour le pantalon. Ok, et donc on va profiter des contours. Des plis, pardon, pour former les contours. Donc on voit que le pli va directement influencer la silhouette du personnage aussi. Et donc on va bien le marquer dans le dessin, puisque c'est aussi quelque chose qu'on va bien marquer dans notre mèche 3D, dans notre sculpture. Et donc le fait de tourner le personnage me permet de visualiser aussi les problèmes que j'ai ici au niveau des volumes. Donc j'ai un côté un petit peu plus long et un côté un petit peu plus court au niveau du pantalon. Et donc je vais résoudre aussi la chaussure. Alors, une fois que le. Enfin, avant de passer à la chaussure, une fois que le pantalon est avancé. Ah oui, ici j'avais prévu de faire un trou. Donc, au niveau du sketch, ben, on précise un petit peu les formes. Hein, d'accord? Donc, c'est la deuxième passe de sketch. Du coup, ici j'ai le trou du le pli du pantalon qui va changer aussi. Puisqu'on aura un écrasement à partir de l'arrière ici. Et donc là on voit que les trous ont la même intensité. Et que c'est relativement symétrique, donc ça j'ai vraiment pas envie, donc je vais casser la symétrie. Donc c'est encore un petit peu de recherche d'équilibre entre les différentes formes et recherche de placement et de finalisation des formes. Et ici, je trouve que la fréquence n'est pas bonne, donc les détails sont trop petits. Donc ici, j'arrive à quelque chose comme ça. Alors, deuxième passe, ce sont les coutures.
Donc les coutures, elles vont suivre encore une fois les plis. Et je vais garder le même système de couture que pour la partie supérieure. Ici donc il y aura la grosse couture du milieu du pantalon. Et sur le côté extérieur, on va avoir aussi la couture du pantalon. Et peut-être profiter de la couture pour remettre de la... Je sais pas, non, hop. On peut rajouter des poches, on peut rajouter une série de choses. L'objectif, c'est que ce soit vraiment là et que ça vienne ancrer notre dessin dans la réalité. Ok. Et donc pareil ici pour la chaussure. Donc la chaussure, on va aussi regarder donc sur les références, hein, à quoi ça, comment c'est construit, à quoi ça correspond. Ici dans mon cas, c'est explosé à partir de des orteils. Ok, donc ici c'est la partie centrale et la patte ici, et tout ça donc est explosé. Ok, donc c'est craqué, les lacets sont pété aussi. Donc ça c'est la forme globale, on va dire, et après on va rajouter aussi les pattes de cuir. Pour avoir le sketch final de la chaussure. Donc moi c'est une chaussure de l'armée avec une semelle qui est assez grosse. Bon, il y a sûrement le pied et les orteils qui vont dépasser finalement de la semelle, puisque c'est un peu pour ça que la chaussure a éclaté, mais je vais quand même faire la semelle jusqu'au bout. Et donc là, on est aidé par notre volume simple qui est donné par la perspective. Alors je pense que sur le devant, il n'y a pas en fait. Ok, donc là, encore une fois, on passe aussi de notre sketch de base à un sketch avec plus de détails. Les détails peuvent venir directement de vos références elles-mêmes aussi. Encore une fois, si vous n'avez pas d'idée pour faire ces différents détails, toujours aller rechercher des références, soit des références que vous avez déjà prévues pour votre dans vos recherches qui ont déjà été faites, soit vous allez chercher des nouvelles références qui correspondent à votre besoin. Ici c'est du sketch encore une fois, donc peu importe si si je refais des détails sur d'autres détails, il y aura encore la phase de mise au net qui viendra cliner tout ça.
faire toutes ces courbes, etc. En mise au net, ben voilà, ça va. On va aussi apprendre plein de choses à ce niveau-là après. D'accord? Les orteils, ce sera pour après. Tout ce qui est os, je ferai après. Donc au niveau accessoires, qu'est-ce qui reste? Il reste la ceinture qui ne semble pas être dans un axe qui correspond vraiment à ma perspective. Donc là aussi, flipper de temps en temps pour voir si le travail qui a été fait est le bon. Ici, je vois aussi hein, que ces distances-là, ces distances-là et ces distances-là sont similaires. Donc ici, je vais aller plus bas. Au niveau de la perspective, à mon avis, je vais pouvoir aussi descendre cette partie-là. Et donc, finalement, il y a trop de détails. Ouais, au niveau de la ceinture, donc on va avoir la boucle de ceinture qui va venir ici. Donc j'ai toujours mon repère ici de la ligne centrale. On va lui donner un petit peu d'épaisseur. Alors, si je me souviens bien. J'avais fait un truc de l'armée. Je sais pas si je vais garder l'idée. Donc on a la ceinture qui passe. Je vais rajouter. Donc c'est ici qu'on rajoute les fameux détails qui vont rendre l'histoire crédible. Donc une ceinture, ça passe dans des pattes de tissu. La ceinture elle-même est composée de d'une patte qui s'enroule sur elle-même. Et donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de reproduire, histoire de revenir dans du concret. Donc on voit hein, qu'on a clairement plus de détails qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire qu'on raconte. Et alors ça passe ici de l'autre côté. Et donc de l'autre côté, on voit l'intérieur de la ceinture. Je vais me remettre. Voilà, donc ici, hop, j'ai corrigé un petit peu le. Voilà, et donc de l'intérieur de ce machin-là, j'ai des morceaux de tissu qui vont s'en aller. Là, j'essaie toujours de faire attention. Alors, c'est un pantalon, hein, donc c'est pas trop éclaté non plus, finalement. Ben non, en fait, c'est pas éclaté là, puisque c'est le bord du pantalon. Donc, ici, on va plutôt avoir le bord du pantalon qui revient ici. Donc là, j'essaie de retrouver un brin de logique dans le concept. C'est encore un peu cochon parfois, mais c'est pas grave. Hein. Du moment qu'on s'y retrouve après pour la mise au net, il n'y a pas trop de problème.
Ici dedans, on verra les os. Ok, donc maintenant, je vais faire les os. Il y a un truc que j'aime pas avec ce côté-là du t-shirt. C'est la répétition, à mon avis. Monsieur, oui. Je me posais une question. Quand je fais des volumes assez fins sur ZBrush, oui. Chaque fois j'ai des trous dedans. Ouais. Que je dois inflate puis redynamèche pour que ça parte. Ouais. Et je me demandais, avec des tissus comme ce que vous êtes en train de faire pour le haut, est-ce qu'on n'aura pas ce genre de problématique? Et si oui, comment y remédier? Donc il y a plusieurs moyens d'y remédier, notamment en utilisant l'outil de masking des backface, tu vois, pour ne pas Ouais. péter les faces intérieures quand tu travailles sur les faces extérieures. Et pour tout ce qui est bordure, en utilisant du move plutôt que du pinceau, en fait. Tu vois, tous les décalages qu'on a ici, on va pas les faire en sculptant avec des pinceaux, histoire de ne pas justement écraser la géométrie. C'est une possibilité aussi. Notre possibilité, c'est d'augmenter l'épaisseur pour ne pas que ce soit trop fin. Donc, une fois que l'extract est fait, tu peux encore faire un petit inflate des faces intérieures vers l'intérieur pour que ça rentre bien dans le modèle. Ah oui. Tout dépend aussi de la stylisation, hein, parce que quand tu stylises, tu peux vraiment rentrer les faces du. À la limite, tu pourrais ne pas avoir de face intérieure. Tu pourrais vraiment rentrer la géométrie, supprimer la géométrie intérieure et ne faire ressortir que ce dont tu as besoin pour ne pas du tout avoir de face intérieure et ne pas avoir ce problème-là. Mais tout dépend du concept aussi et J'avais entendu du parler de réalisme. Marvelous Designer, mais je comprends pas trop comment ça fonctionne. Alors Est-ce que Marvelous. c'est importé dans ZBrush ou alors c'est. Enfin, je comprends vraiment pas du tout à quelle étape du pipeline ça rentre en jeu, quoi. Donc Marvelous Designer, c'est un simulateur finalement de physique de tissu. Et aussi un outil qui permet de à partir enfin vous connaissez un peu la couture donc pour coudre quelque chose Un patron, vous voulez il dire? faut faire un patron voilà pour coudre quelque chose d'abord on fait un patron et le patron en fait c'est la version aplatie 2D en 2D de votre vêtement et dans Marvelous on va partir d'un patron et en déterminant quel morceau de tissu doit être soudé avec quel autre morceau de tissu, il va recréer sur un mannequin, soit un mannequin qu'on lui donne, soit un mannequin de base chez lui, il va recréer les plis. Il va recomposer le tissu, il va coudre lui-même et faire la simulation de la physique en fait. Et donc ça génère un mesh. Qu'on peut importer dans ZBrush directement et qu'on peut retransformer pour que ce soit petit à petit que ça devienne le mesh final en fait. Mais du coup, il y a un high et un low aussi sur ce mesh. Mais en fait, dans les dernières versions de Marvelous que j'ai utilisé, ce que tu utilisais, ce que tu importais finalement dans ZBrush, c'était un objet avec de la tessellation triangulaire qui ne pouvait pas être utilisé comme high poly en tant que tel, quoi. Il fallait vraiment le retraiter pour pouvoir l'utiliser et pas retraiter, il bah, fallait le dupliquer, faire un Z-trimesher dessus pour avoir une belle subdivision, subdiviser la subdivision, rebéquer l'objet dans le nouveau mesh et cleaner les différents problèmes. Je ne sais pas si ça a évolué beaucoup depuis parce que je ne l'ai plus utilisé depuis quelques temps, mais c'était ça le principe. Depuis, ZBrush a
créer ses propres brushes de dynamique de pli. Qui simule aussi la physique directement dans ZBrush. Donc il y en a beaucoup qui utilisent ça maintenant au lieu d'aller dans Marvelous. Mais bon, Marvelous c'est quand même c'est devenu quasiment un standard dans la création d'habits, hein. Donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, mais c'est vrai que ça demande du boulot, hein. En fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en fait, il simule la physique, mais c'est avec des dizaines et des dizaines de paramètres. Et chaque petit paramètre va modifier la simulation. Tu as des paramètres qui sont des paramètres de nature, on va dire, du tissu lui-même. Donc tu peux simuler du jeans, de la soie, etc. Et chaque fois que tu changes le paramètre qui détermine la nature du tissu, bah, tu as tes plis qui sont plus les mêmes, puisque l'épaisseur du tissu n'est plus la même. Et tu peux changer les paramètres à volonté. Le problème, c'est que tu as vite passé 3 heures à essayer de simuler ta bonne forme de pli. En 3 heures, tu peux le sculpter aussi, quoi. Même parfois, ça va beaucoup plus vite de sculpter directement. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y en a qui font des bases dans Marvelous et puis qui continuent à sculpter par-dessus dans ZBrush, et c'est souvent ça qu'on fait. Mais il faut quand même pouvoir sculpter des plis et comprendre la logique des plis dans ce cas-là aussi. Donc je crois donc que vous c'est... voulez pas qu'on utilise Marvelous pour pas les deux par exemple. Concrètement, moi je veux bien que tu utilises Marvelous. Je pense que pour ce genre de projet un peu plus stylisé, Marvelous ce serait bien, par exemple, juste pour comprendre les flows et pouvoir les réadapter sur ton projet, par exemple. Par contre, pour le projet de Q2, tu peux utiliser le résultat direct de Marvelous dans ton projet, puisque c'est plus réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc ça veut dire que si tu as un short sur ton squelette, tu peux aller faire un short sur Marvelous et voir comment les réseaux des plis, la logique fonctionne. Et pas forcément utiliser le mesh, mais utiliser un screenshot pour toi après sculpter quelque chose qui est correct. Mais reprendre un mesh Marvelous qui est à tendance vachement réaliste quand même et l'importer là et puis essayer de le faire coller au look du projet ici. À mon avis, ça va être beaucoup plus facile de sculpter soi-même. Donc tout dépend en fait, toute une question de bénéfice temps résultat, je dirais. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais je ne l'interdis pas, au contraire. J'aimerais bien avoir du temps pour le voir avec vous, mais encore une fois, on a tellement de choses à voir que bah, il faut faire l'impasse parfois sur certaines choses. Oui, c'est sûr, mais je vous demande juste à l'avance parce que pour faire mon concept, je préfère savoir ce que je peux me permettre ou pas, en fait, au niveau des vêtements et au niveau de l'armure pour le Q2. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, tout ça, c'est des prétextes pour apprendre des trucs. Donc si tu es très motivé par Marvelous, jamais je te dirais non, hors de question. Maintenant, si tu vas dans le Marvelous et que le résultat est catastrophique, je te dirais, bon, reviens avec de la sculpture, revois la base et après on verra, quoi. Tu comprends? D'ailleurs, au skinning, on va devoir faire une physique pour les vêtements? Non, pas pour ce projet-ci. Okay. On verra de la physique dans Unreal pour par exemple si tu veux faire une cape, s'il a une jupe, des choses comme ça. Au Q2. Ça va, merci. Ouais. Donc vous avez compris que j'essaie de trouver le bon rythme pour les plis qui pendent.
puisque finalement c'est ça la partie la plus déchirée. Et donc là, je commence à préciser aussi les os en ramenant des moyennes fréquences. Donc ça peut être des cassures, ça peut être des malléoles, donc les extrémités des os qui sont un petit peu plus gonflées, qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. Dans les os, il y a aussi des trous qui apparaissent hein, pour laisser passer certains vaisseaux sanguins. Ou des trucs qu'on a dans le corps, quoi. Et c'est là qu'apparaissent donc des moyennes fréquences qui viennent habiller nos fréquences de base. Donc vous voyez ici, la fréquence de base est assez simple. D'accord? Une boule, deux boules, trois boules de type cylindrique. Et puis là, on vient rajouter des excroissances osseuses, des petits renflements ici au niveau des os, bien insérer les os les uns dans les autres, et des petites moyennes fréquences avec des crevasses, etc. Donc ici, ce sont les crétiliacs du bassin. Et ici, pareil, donc on va voir les vertèbres. Alors je ne vais pas lui faire le nombre parfait de vertèbres, hein, loin de là, et je ne vais pas commencer à compter les vertèbres chez vous. Au contraire, essayez de synthétiser pour vous faciliter le travail, sinon ça va prendre des plombes à sculpter. Quoique une vertèbre, on en fait une, puis on la duplique, hein, mais faut que ça reste cohérent par rapport au style. Ça a sonné chez quelqu'un. J'ai pas entendu de sonnette. Non, c'était chez moi? Ok. Peut-être. Pas dans ma maison, hein, ça a sonné sur le PC. Ouais, donc ici ça va plutôt vers l'extérieur, vers l'arrière. Hop. Et donc moi je lui fais des grosses omoplates qui viennent se juxtaposer ici à l'arrière pour lui faire des semblants de trapèze. Donc là la logique c'était trouver des... Enfin mettre en forme des os qui donnent l'impression qu'il est musclé alors que pas du tout. Ce sont des os. Bon, je crois que vous avez compris le principe. Donc là, on arrive à la fin du sketch. Je vais quand même aller jusqu'au bout, ici au niveau des mains. Voilà pour les bras. Alors au niveau des cheveux, Hulk, il n'a quand même pas des cheveux si gros que ça, donc je vais refaire des petits cheveux un petit peu moins olé olé.
un peu punk. Ok, il ressemble plus à Ghost Rider finalement. Donc ici on a les différentes phalanges. Pareil, hein, bien travailler sur les extrémités des os avec les knuckles qui viennent prendre un petit peu plus de volume à l'extrémité des os. Alors ici on a un groupe avec une série de petits osselets. Je ne vais pas faire chaque osselet. Par contre, la base de chaque doigt ici dans... Alors je me trompe tout le temps. Métacarpe, métatarse. Métacarpe c'est les mains, métatarse c'est les pieds, non? Métacarpe, c'est les mains, merci, ouais. C'est bien, il y en a qui suivent, qui ont suivi les cours d'anatomie. Enfin, moi, l'anatomie, c'est un peu une obsession, du coup. Ah bah c'est bien. C'est une bonne obsession. Ouais. Je Après, trouve, je trouve. je serais pas capable d'absolument tout vous citer, hein. Il y a des noms que j'oublie. Ok, de l'autre côté pareil. Donc n'oubliez pas hein, le pouce. Ouais, bon, le pouce, il y a quand même le carpe du pouce. Et puis là. Puis il y a deux phalanges en fait. Donc le pouce, il y a le carpe du pouce. Et puis il y a deux phalanges. Pour les autres doigts, il y a le carpe et puis il y a trois phalanges. Ok, ben je pense que on est bon pour le sketch final. Donc comme vous voyez, l'objectif c'est vraiment de venir. Alors je vais le mettre dans un layer, comme ça on voit la différence entre les deux. De venir rajouter les moyennes fréquences et préciser toutes les formes en fait. N'oubliez pas le. C'est important de rajouter la définition nécessaire à votre image pour pouvoir justement aller dans plus de détails au niveau du trait. Et encore une fois, aller chercher des références sur votre sur internet et dans le dossier que vous avez déjà créé avec toutes vos références pour voir vraiment comment vous allez pouvoir placer ces différents os et comment vous allez pouvoir les habiller. Alors, je ne suis pas content avec ceci.
Donc je vais resketcher. Donc il n'y a pas de problème, hein. Vous revenir avec du blanc sur votre dessin, et revenir avec à ce stade-ci, il n'y a pas de problème. Alors je vais sketcher avec l'autre partie du cerveau, on va dire. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir un truc qui pend. Et j'ai envie de voir le bout du plexus peut-être. Détails, hop. Voilà. Comme ça, on voit un peu les côtes qui reviennent ici. Et voilà. Prochaine étape, la mise au net, toujours à partir de ce croquis. Donc là, je sauve le sketch avancé, le sketch final. Et là, on va voir la mise au net. Est-ce qu'il y a des questions en fait pour cette étape? Pour ma part. J'ai oublié de faire les orteils. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y ait les orteils qui dépassent. Donc je vais faire son gros orteil qui dépasse de la semelle. Et puis les autres orteils qui dépassent ici sur le côté. Et avoir le petit orteil qui file un petit peu à l'extérieur. Et donc pareil ici. On va avoir le gros orteil. Les autres orteils qui dépassent, 8. Un petit orteil qui reste bien sagement là, 8. Ok. Bon, bah vous avez compris le principe, hein. On reprend les deux layers ici pour retransformer encore une fois ceci en bleu. Et on voit que bah, plus on avance, plus on a un bleu qui est précis. Là maintenant, on a toute la. Là je recentre un petit peu. Voilà, on a tout. Toute la structure qui est présente, donc on peut faire la mise au net. Alors pour la mise au net, je vais faire un dossier et faire plusieurs layers. On va peut-être faire une pause avant de commencer. Et pour la mise au net, je prends une brush hard, ok, et je désactive opacité pour avoir un trait qui est très noir en fait, mais qui tient compte quand même. De la pression pour la taille du pinceau. Et là, je vais commencer par la partie la plus facile, c'est-à-dire des parties où il n'y a pas beaucoup de grandes courbes. Et en fait, pour commencer, je ne vais pas prendre du 12, je vais prendre ici un pinceau un petit peu plus. Que vous venez de faire. Attendez, parce que là j'ai un petit message. Hop. L'étape que vous venez de faire, c'est vraiment juste pour préciser les accessoires. Bah, préciser l'accessoire et préciser les os. Donc, tu vois ici la tête, avant, c'était quand même quelque chose de pas très défini.
Donc là, je définis vraiment tout en fait, les accessoires, mais aussi les os. Mais c'est important, oui, de donner de la crédibilité aux accessoires en les ancrant dans notre réalité. D'accord? Donc là, je teste ma brush. Et donc l'objectif, c'est de faire un trait propre et bien propre partout. Alors je vais commencer avec du 8 pour tout ce qui est à l'intérieur du personnage. Alors c'est pas obligé d'être forcément quelque chose de très mécanique. Donc vous voyez ici, ça peut être quand même encore un peu sketchy. L'important, c'est d'avoir quelque chose de propre au niveau des contours. Extérieur de chaque élément, mais je vous montrerai après. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai le contrôle Z qui me permet de revenir une étape en arrière et le contrôle Alt Z qui me permet de revenir plusieurs étapes en arrière en fait. Et donc je jongle avec les contrôles Z et le... Il est fâché. Et idem, au lieu d'effacer, je préfère pousser sur X. D'accord? Donc ça c'est quelque chose que je garde aussi pour l'ancrage. C'est-à-dire que je préfère avoir un ancrage... je préfère garder, pardon, mon doigt sur le X pour changer de couleur plutôt que de changer mon doigt de place. Alors, comme pour la sculpture, j'aime bien de travailler sur la tête pour commencer, parce qu'une fois que j'aime bien la tête, bah, je vais plus facilement avoir envie de finir le reste. Donc ici aussi, je commence par l'ancrage de la tête. Le seul petit problème, c'est que la tête, ben, c'est quand même assez important. Donc si vous n'avez pas beaucoup dessiné et que votre ancrage est encore un peu rigide et que vous faites la tête d'abord, ça risque d'avoir des répercussions sur le résultat. Et dans ce cas-là, vous commencez par vous dérouiller le poignet en ancrant une autre partie. Et une fois que vous aurez ancré l'autre partie, vous revenez à la tête une fois que vous êtes un petit peu plus fluide dans vos gestes. Et donc là, on voit que la différence entre l'ancrage et le sketch final, bon, bah, il est relativement... Je suis ce qui m'est donné comme information dans mon sketch final pour faire mon ancrage. Donc là, c'est toujours du 0,8, enfin du 8 pour... cette partie du travail. Et là, même mes traits ne sont pas toujours terminés. Alors là, on arrive à des courbes. Et là, en fait, il faut trouver le bon trait. Et ici, je préfère faire des zones douces jusqu'à ce que j'ai le bon trait. Et parfois, mettre juste le trait que je fais sur un layer. Séparé pour pouvoir juste le bouger comme il faut et après CTRL E pour le merger avec le trait layer d'en dessous. Donc CTRL E va vous permettre de merger votre layer du dessus avec le layer qui est en dessous. Alors ici pour continuer le crâne,
Je vais faire le crâne dans son entier, dans son entièreté, pardon. Hop. C'est vrai que c'est. Alors, il y a moyen de faire un trait aussi qui est supporté avec les nouveaux outils de stabilisation. Moi, je suis pas très fan en fait. Ok. Et donc pour finaliser ça, je prends donc du 8 pour le trait intérieur et la première passe. Donc c'est du 8. Et puis après, je prends du 12. Je fais un nouveau layer et je fais les contours. Alors ça peut être les contours de la silhouette, mais ça peut être aussi les contours des objets à l'intérieur du mesh aussi. Et pour la partie contour ici, j'essaye qu'il n'y ait pas de trous. Donc là par exemple la tête de squelette complète, je vais la faire passer par-dessus le cou avec le 0,8. Et là, il ne faut pas qu'il y ait trop. Autant, vous voyez, dans la première premier ancrage, je laisse parfois des trous en sketchant. Sur la deuxième passe, je ne laisse pas de trous parce que ça va nous permettre de faire une colorisation plus rapide. Plus facile, en fait. Et donc, entre deux objets aussi, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous. Et de bien respecter la silhouette. Voilà. Et donc, deuxième passe. C'est du 12. C'est pour les contours. Et là, il faut absolument fermer les traits. Si vous voulez, vous pouvez mettre un calque blanc en dessous que vous pouvez afficher ou cacher pour voir le résultat en fait de votre ancrage. Oui, c'est ça, tout juste du trait. On verra après comment on gère ici, je vais faire aussi merci Aurélien. On peut mettre du blanc, hein, d'accord? Donc c'est aussi blanc et noir. Donc là, je préfère que ce soit les dents du dessus qui soient par-dessus les dents du dessous. Donc je change les angles. Et là, je veux que les dents aient l'air un peu plus massives. D'accord, donc avec le calque blanc, vous pouvez voir votre ancrage commencer à se développer. Et pourquoi est-ce qu'on va
clôturer, fermer, etc. les traits, parce qu'on va pouvoir piquer comme ça les zones et être sûr que all layer, voilà, hop, voilà. Là, je suis sûr d'avoir, par exemple, tout le personnage, tout l'extérieur du personnage, parce que mes traits sont fermés. D'accord? Donc j'ai vraiment mon masque qui fonctionne bien en fait. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faire des masques facilement une fois qu'on va passer aux couleurs. Ok, donc on va faire une petite pause. Alors j'aurais peut-être pas fini l'ancrage totalement aujourd'hui, mais vous aurez compris le principe et les différentes techniques. Donc je vais sauver ça. On va faire une petite pause de 10 minutes pour se dégourdir encore un peu la colonne vertébrale. Hop. 12h40, il est 11h50, donc à 12h pile. On se retrouve pour la dernière partie du cours. Bah comme j'ai bien avancé quand même au niveau de tout ça, je pourrais vous donner un petit. Enfin, quelqu'un m'a demandé un feedback, on va le faire quand même, hein, comme ça, ce sera fait. Ça va? Retour à. Pas 12h20, hein. À 12h. À tout de suite.
Ah ouais, extra. Extra ces bouquins. Extra les refs. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Oui. Ok. Yes. Ok. Ouais, merci pour les refs. Je répète qu'il y a une série de refs aussi sur le réseau que vous pouvez. En version communiste. Tout à fait, en version communiste. Donc, hop, on est à du 8 pour le l'ancrage de base. Donc ici, je passe à travers tout 8 pour avoir le bon lien entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Alors cette manière de chaque fois refaire des zones doux, au départ de l'ancrage j'en fais beaucoup parce que mes gestes ne sont pas encore très précis. Mais plus j'avance dans l'ancrage, moins j'ai besoin d'en faire puisque les gestes sont de plus en plus précis. Et alors quand je fais les ancrages, superpose, je fais des overlaps entre les différents éléments. D'accord? Et puis quand je travaille ici, je vais rajouter des layers qui sont différents. Voilà. Donc je fais des layers différents pour mes différents objets. Avec des overlaps. Comme ça, après, je peux venir effacer ce qui dépasse pour avoir un truc vraiment bien, bien clean. D'accord, donc sur un autre, après, je ferai le. Ceci ici, ben là j'en profite, voilà, pour donc faire un petit distort. D'accord, donc vous pouvez vraiment placer vos edges un peu comme vous voulez avec le distort. D'accord, quand vous avez le geste qui est presque bon, bah vous pouvez utiliser cette technique-là. Donc je vais faire aussi la même chose sur ceci ici. Non, c'était bien. Ok, et donc encore une fois, je vais effacer. Ce qui est en trop, hop, au fur et à mesure. Donc vous voyez, donc l'ancrage il évolue vraiment petit à petit, avec toute une série de layers qui viennent se superposer. Et autant pour la. Alors ça c'est la tête. Voilà, jusque-là. Donc je vais laisser la tête par exemple sur un layer. Et je vais appeler tête. Et ici, bah, c'est mon
mon ancrage de travail. Donc là, je continue à travailler séparément de la tête pour faire la partie supérieure du corps. Et je viendrai merger au fur et à mesure si c'est nécessaire. Donc voilà un petit peu tous les outils pour l'ancrage. Et donc pour les cheveux. Ça, c'est un petit peu plus gestuel, on va dire. Les cheveux, c'est comme les plis, hein. On essaye de pas faire trop de lignes de parallèles dans le même sens avec les mêmes distances. On garde l'espèce de chaos qu'on essaye de. Maintenant, des cheveux sur un crâne, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus. Quoique. Ok. Donc ça c'est pour les cheveux. Du coup, au-dessus de la tête, je peux rajouter un petit layer blanc. D'accord. Donc là, on a les cheveux. Et n'oubliez pas, donc, de toute façon, on va transformer ça en trait unique après. D'accord? Donc là, pour le moment, c'est plein de layers différents. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura tout ça? Donc je vais aussi faire un layer, par exemple, pour mettre une grosse poche blanche au-dessus de ce truc-là. Donc si je transforme ça en noir ou en gris foncé, on voit que dans mon trait, y a du blanc. D'accord? Puisque j'ai masqué des trucs en. Mais c'est pas grave en fait. D'accord? Le trait, c'est pas l'opacité du calque qui va le donner, c'est le noir et le blanc. Donc qu'est-ce qu'on va faire après pour récupérer tout le trait? On va faire un Select All, Ctrl-Shift-C pour faire un copy merge. Faire un nouveau channel, Ctrl-V. On va faire un CTRL-I pour intervertir. Et donc là, c'est un channel avec du noir et du blanc. Si je fais un CTRL-clic dedans, tout ce qui est blanc est sélectionné. Donc je peux cacher le channel. Et donc ici, j'ai mon line working. Et je vais avoir un nouveau dossier avec mon line final où j'ai vraiment tout mon line qui est ici en fait. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser pour mettre en couleur. Donc c'est un petit peu les. L'objectif final de ceci, c'est d'avoir le line sur un trait séparé. Et donc ce line va être composé de plusieurs layers, dont certains avec du blanc dedans, mais ça n'a pas d'importance. Ok. Donc il reste une demi-heure de cours. Moi, je peux m'arrêter là et vous donner des feedbacks si vous voulez pendant la dernière demi-heure. Qu'est-ce qu'il m'avait demandé pour avoir un feedback sur son passage en perspective? C'était moi, Nathan. Nathan, est-ce que tu veux me partager ton écran? Comme c'était fait sur mon iPad, je peux vous envoyer le JPEG. Oui, très bien. Ce sera peut-être plus facile. Oui. On peut aussi en avoir un maintenant ou Oui. c'est que quelques personnes? C'est bon. J'ai une demi-heure, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc Nathan était le premier, tu es le deuxième. Moi, je veux bien aussi, s'il vous plaît. Tu peux poster aussi. Ok, tu l'as pas retravaillé en fait, Nathan. C'est-à-dire. Par rapport au feedback que je t'ai donné. En fait, vous aviez marqué qu'on regarderait la perspective, comment la corriger. En fait, je voulais juste savoir comment refaire mon dessin sur une meilleure perspective, parce que j'ai peur de refaire les mêmes erreurs, en fait, Ouais, si j'ai pas une base solide. je comprends.
C'est quoi ce que tu m'as envoyé comme image en fait? Normalement, c'est un JPEG. C'est un PNG. Ah mince, vous voulez que je vous le renvoie en JPEG? Essaye, ouais, parce que Ah, c'est un là. JPEG? Essayez Moi, je le JPEG. vois en JPEG. J'ai un vieux Photoshop et. Essayez JPEG, ouais. Ok. S'il vous plaît bien. C'est bien un redessin. Hop. Et normalement, bah, normalement ça devrait être un JPEG ce que je vous ai envoyé parce que je viens de revérifier. Bon, je vous le renvoie. Mais en fait, ici, quand je télécharge de ceci, ici, il le télécharge et il me le télécharge en PNG. Ah, Et donc, parce que vous l'envoyez en je PNG n'arrive peut-être. pas à l'ouvrir. Tu vois, le PNG, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, je vais essayer les autres pour voir si je vais juste changer de Photoshop et. Je l'ai renvoyé en JPEG, si jamais. Donc, ça, je vais essayer. Hop. Bah, tu vois, il transforme tout en PNG en fait. Mais c'est Teams, oh mon Dieu. Pop, 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 comment je peux faire alors? Sur Discord, on peut-être vous envoyer, je sais pas. Vous avez le FileZilla, FTP? Ah oui, bien sûr. Vous pouvez mettre ça dans remise. Pardon, j'y vais, B2, B2C, et donc on est dans TCOC Mélard. Je vais renommer le thème 1, pouf, et on va mettre TJ2.2. TJ2.2. Vous pouvez mettre ça ici dedans? Juste on le drag and drop dans B2C2, donc dans le dossier que Oui, vous dans venez de votre créer. classe, dans votre classe, ouais. Puis Ok. vous me dites donc enfin qui je peux aider. Donc je vais commencer par Nathan, tu me dis quand ça y est. Normalement, c'est envoyé. Ok. Très bien. C'est mieux. Écoute, ici en fait, c'est vraiment la perspective globale en fait qu'il faut revoir parce que tu as une logique pour les bras, enfin l'espèce de tentacule, et tu as une logique pour le personnage, et il faudrait pouvoir marier les deux. Ça va? Concrètement. Je dessine en bleu. Donc si on a, tu vois, le point de fuite qui se trouve ici, enfin les lignes de rappel qui se trouvent ici, on va garder la même logique pour le reste. Donc ça veut dire que on va avoir un point de fuite qui va être beaucoup plus loin et qui va amener à des parallèles qui sont plus dans ce style-là. Donc même ici le pied qui est ici, ça va être plutôt dans ce style-ci, tu vois. Donc ça veut dire que si on garde la tête ici, on va bien avoir quelque chose qui est en dessous de la ligne d'horizon. Et au niveau de la pose elle-même,
si on reste en symétrie, on va avoir, tu vois, des genoux qui sont plutôt comme ceci, tu vois. Et donc là, on voit que là, on a le décalage qui est correct, mais que dans ton dessin, ben, c'est l'inverse en fait qui apparaît. D'accord? Donc ici, on va voir une main qui est correctement placée. Et donc l'autre, ben, on va aussi respecter le. Enfin, c'est surtout au niveau du coude, tu vois, qu'il faudrait que le coude ici soit vraiment à la même distance que l'autre. Ou en tout cas qu'il ait la même longueur et qu'il soit disposé de la même manière. Pareil pour les épaules. Je crois que c'est surtout au niveau des jambes que ça pose problème et au niveau des proportions globales. Donc il faut lui refaire une cage thoracique un petit peu plus développée et que la moitié du corps soit ici au niveau du pelvis parce que là les jambes sont beaucoup trop longues. Ça va? Là c'est plus ou moins bon. Mais ça veut dire que pour garder les deux têtes qu'il a ici, il va falloir aussi refaire les espèces de pattes pour que ce soit aussi placé sur le sol de manière logique. Alors il peut y en avoir une en avant. Il peut y en avoir une en arrière. Mais il faut que ça reste logique quand même par rapport à ta perspective et ton sol. Et c'est surtout par rapport à ton choix de mettre tout en dessous d'une ligne d'horizon qui est vraiment. Attends, si je vais jusque là, une horizon qui doit être quelque part ici, quoi. Ça va? Ok, et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, pour celle du haut, c'est relativement au choix. C'est juste, par exemple, les têtes, peut-être les refaire avec une meilleure perspective, en fait. Le Non, truc moi, qui les relie n'est pas trop problématique au-dessus. bah, c'est vrai qu'au niveau de la perspective, mais bon là, comme c'est pas non plus hyper symétrique, on pourrait dire que la perspective est bonne, tu vois. Ok. Ici, les têtes, elles sont placées sur de part et d'autre du personnage. Ça, c'est bon aussi. Ce que je ferais, c'est peut-être donner un petit peu plus de respiration à l'image et peut-être décaler un petit peu. Décaler un. Attends, hein, je vais arriver. Décaler encore un petit peu ça, peut-être. Ok. Mais tu vois, j'ai pas envie que tu recommences tout non plus. On pourrait dire, ben voilà, ça c'est bon pour le dessus. Refais pas encore ça une fois, parce que c'est beaucoup de boulot de refaire tous ces petits ordres. Bon, les têtes, c'est un peu du copier-coller, mais. Voilà, si tu ne corriges que le dessous, ça fonctionnera bien avec le dessus tel que tu l'as là en fait. Ok. Je vais faire comme ça parce que c'est vrai que c'est très long à faire Ben oui, hein, les j'imagine. tentacules. Ouais. Mais je pense que pour repositionner les tentacules ici, tu pourrais utiliser. À voir si ça va fonctionner. Mais tu pourrais utiliser du. Tu vois, parce qu'il faut la repositionner ici. Donc si je fais ça, tu vois, tu pourrais tricher un peu. Ou peut-être avec une déformation de la marionnette. Ouais. Trouver un Et je vais système. tenter avec ça. Ouais. Et repasser au-dessus, au pire, si c'est un peu dégueu. Parce que c'est surtout le personnage, hein, au niveau de la perspective qui pose problème et qu'il faut refaire. Ça va? Ok, ça va, y a pas de problème. Ok. Très bien. Merci beaucoup. De rien dit. Je vais juste prendre un screen avant que Oh, mais il y vous aura la m'oubliez. vidéo, hein. Mais oui, vas-y, Ah prends le oui, c'est vrai. screen. Ouais. Hop. Ça Voilà, va? merci. Très bien. Donc, qu'est-ce qui est envoyé encore après? Maxence. Maxence.
Ouais, c'est bien Maxence. C'est bien, c'est rigoureux. Si c'est pas trop tard, moi je prendrai ce bras-là et je le décollerai de la silhouette. Tu vois? Oui, je vois. Pour qu'on lise mieux la silhouette globale en fait. Et je crois que ton dessin en lui-même pourrait juste être rotationné et ça fonctionnerait. Ça ferait pas une pose un peu bizarre d'avoir les bras comme ça? Pas plus bizarre que ce que ça n'est déjà, je crois. Je vois, ok. Bah, je dirais, voilà, c'est un zombie ça, qui fait ce qui voilà, qui fait le zombie quoi. Donc ici on a Parce que bien. de base, je voulais lui donner une arbalète, mais Ah oui, c'est enfin, juste. j'étais pas arrivé sur le concept là. Je vais la faire à part du coup. Et je la ferai de façon, disons, accessoire, quoi, si j'ai le temps de la faire. Ouais, je comprends mieux du coup la position des mains. Mais du coup, c'est vrai qu'avoir cette position des mains sans rien dedans, c'est peut-être ça aussi que ça donne un peu un côté un peu bizarre. Ouais. Donc là, peut-être positionner. Voici cette parle. Ici, on a bien la ligne du milieu qui est bien respectée au bout. Ici, ça dévie un petit peu au niveau du bas du. Tu vois, du. De ceci. Ici aussi, ça dévie un petit peu. Et au niveau de la pointe aussi, ici. D'accord? Donc essaye de bien respecter ta ligne médiane de la jambe pour les détails. Je vois. Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est vraiment très bien aussi. Le chapeau, je vois que tu as refait ça. Donc tu vois quelque chose qui Oui. soit plus proche des yeux. Oui. Ça veut dire que deux profils son chapeau est légèrement en arrière. Oui. Ok, ça va. Pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il tombe sur sa tête, quoi. Ouais. Tu peux lui mettre son chapeau vraiment au niveau des yeux aussi si tu veux. Si tu veux qu'il ait donné une impression d'un peu plus ridicule. C'est pas ça que tu cherchais en fait. Bah non, pas Non. spécialement, mais ça peut être marrant, je testerai. De toute façon, ça se déplace. Ouais. Ok, très bien. Très bon boulot aussi. Mais j'hésitais à lui rajouter des bougies sur les, enfin, sur les épaules. Vous voyez, à l'endroit où il n'y a rien, Ouais. des espèces de bougies fondues. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que la bougie fondue a un objectif bien précis, à part faire du remplissage? Bah en fait, je sais que c'est vraiment mon gros problème, c'est que je veux trop remplir les zones vides. D'accord. Mais en fait, l'arbalète dessus, justement, le concept, c'est qu'il y a des bougies qui sont fondues, Je me souviens, ouais. comme pour éclairer, et en fait, il y a des, enfin, c'est pour viser, quoi. Et Ouais. du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa qu'il y ait un Un rappel rappel, ouais. du design sur le personnage. Si c'est pour un rappel du design avec un objectif, moi je dis oui. Si c'est pour faire du remplissage, c'est pas nécessaire parce que c'est bien de laisser des zones justement où on peut respirer un peu. Mais t'en as déjà. Sur le pantalon, sur les plaques du côté des hanches, sur les avant-bras. Moi je crois que c'était bien d'avoir aussi quelque chose qui respire un peu là au-dessus. Mais c'est justifié, donc à toi de voir. Ok, bah je vais faire des tests. Ça va. Très bien. Alors, j'ai aussi un Nicolas. Nicolas.
Je vais reprendre tout encore une fois. Hop. Voilà. Alors c'est bon au niveau de la forme globale, de la silhouette globale, c'est très peu en perspective, et ça c'est un peu dommage, parce que l'objectif c'était de me montrer justement que tu pouvais comprendre comment fonctionnait la perspective. Donc par exemple, il y a très peu de décalage. Alors je vais prendre une petite baie, voilà. Tu vois, il y a très très peu de décalage. En fait, si je prends talon-talon, on est quasiment à l'horizontale. Moi, je demande un petit peu plus quand même pour pouvoir comprendre que tu as compris, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Je recommence du coup. Mais ce qu'il faudrait, c'est pouvoir commencer. Parce que moi, je crois que c'est les jambes qu'il faut recommencer. Que les jambes qu'il faut recommencer. Parce que j'ai l'impression que tu as un décalage qui naît à partir des épaules, peut-être accentuer un petit peu le décalage entre les bras, mais tu vois, ici et là, tu as un décalage. Si tu accentues un petit peu en remontant la main qui est ici, après tu peux continuer ton décalage, parce que là, tu vois, j'ai mes genoux, les genoux sur ton dessin, ils sont comme ça après. Donc tu vois qu'il y a deux. Il y a un décalage qui part bien et puis qui finit mal. Donc quelque part, peut-être qu'il faut juste remettre les genoux correctement, remettre les chevilles correctement et remettre le bout du pied correctement. Dans ce cas-là, tu n'aurais que la jambe qui est ici à modifier, et ce bras là en fait pour faire le raccourci. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Parce que si on se fie à ça, si on se fie à ce qu'il y a là avec le genou qui est là au-dessus, ben l'autre genou doit être là au-dessus en fait. Il faut pas avoir peur de faire ce raccourci là. Ça veut dire que si la cheville est là, ici, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué. L'objectif, c'est de marquer la perspective un peu plus, en fait. Parce que là, on se retrouve avec quelque chose où il n'y a quasiment pas de perspective. Or, ici, on veut voir la perspective. Tu vois le principe? Ça c'est la première chose, donc c'est la perspective. Ensuite, ça va être retirer les détails automatiques, tu vois, le remplissage, en essayant de mettre des remplissages un petit peu plus... Donc pour le moment, tu vois, on a plus de moyenne fréquence. Parce que là, pour le moment, tu vois, on a la forme globale. Et puis entre la forme globale et certaines moyennes fréquences comme le pec, le reste c'est que des détails de haute fréquence. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des détails un peu plus comme ce que tu as fait ici pour la cuisse, mais il faudrait prendre plus de ref, mais avoir plus de détails encore de moyenne fréquence. Donc continuer avec une cage thoracique, avec un bas de cage thoracique par exemple. Avec la partie, ah oui, donc ici il est coupé en deux, donc on sent la cage thoracique qui va jusque là et on sent le muscle du côté qui est là, et tu vois ici on peut déjà sentir qu'il y a des moyennes fréquences qui sont un petit peu plus marquées. On va avoir le creux ici en dessous du bras et on aura le dorsal qui va commencer ici aussi, d'accord. Donc avant d'arriver à des détails
de fréquence plus haute ici à l'intérieur de tes formes passe par des détails intermédiaires. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Donc, je préfère ne pas voir de détails de trop haute fréquence, mais des bons détails intermédiaires. Donc, tu pourras rajouter des hautes fréquences si tu veux après, mais si tu arrives déjà à bien retravailler tes moyennes fréquences à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des bras, c'est bien parti. Bien construire tes mains, remettre droit les yeux dans le visage, tu vois, des choses un petit peu plus précises au niveau des moyennes fréquences avant de rajouter trop de détails de matière, etc. Ok? Ok, je vais faire ça. Merci. Merci. Alors, j'ai vu Marilou. Oui. Alors, je recommence, monsieur. Pourquoi? Parce que le premier, j'arrive pas à corriger les erreurs. Enfin, il y a des erreurs partout et j'arrive plus, en fait, avec ce dessin. J'ai passé trop de temps dessus, donc je recommence de tu zéro. Tu sais plus le voir? Ouais, je peux plus le voir, là. Du coup, j'ai recommencé une base en perspective qui est normalement juste. C'est Ouais. pour ça que je vous l'envoie. Ouais, c'est bon. Et voilà. Dis avec ton. T'es facilité en dessin, il n'y a pas de souci hein, au niveau timing, juste remettre ça droit. Parce que Ah, ok. tu vois, là, Ouais. il est penché en arrière, il va tomber. Ah oui, mais j'ai toujours ce problème, c'est horrible avec la perspective et je me perds et après je n'arrive plus. Bah écoute, tu prends la base de la tête, tu fais une ligne droite et il faut que ça arrive entre les deux pieds. Ok. C'est son centre de gravité en fait. Ouais. Si le centre de gravité est en arrière, ben boum, puis il va tomber en fait. Ok. Ça va? Comment vous avez fait pour le redresser? Donc j'ai fait une copie, Ouais. et puis j'ai fait contrôle T, et j'ai pris avec contrôle la poignée ici, et j'ai été avec Ok. shift. Tu vois, tu peux Ok, ouais, bouger. merci. Ok, bon bah merci. Je pourrais vous envoyer un mail du coup de l'avancement, enfin quand Toujours, j'aurai vu les toujours, plus. ouais. Je fais ce que je peux pour répondre aux emails. J'avoue que pour le moment, il y a beaucoup de choses sur le feu, mais oui, il n'y a pas de souci, hein. Toujours. Et si je réponds pas assez vite, réenvoyez l'email. Ça va? Ok, merci. De rien. Tu refais un habillage comme tu l'as fait ici sur ton nouveau croquis et c'est parfait, hein. Ok, merci. De rien. Albator. Terrible. C'est un mix entre Albator C'est un peu vieux, et Cobra. Ouais. Bah écoute, très bien. Deux choses. La ouais. main. La main, va falloir vraiment travailler la pose et la mise en perspective de la main et sa Elle est un petit taille. peu trop petite, non? Ouais. Ouais. La cage thoracique. Là, elle est raplatie, donc il va falloir repasser par un volume en perspective, tu vois. Je vois. Ce qui veut dire qu'au niveau des côtes, etc., bah, tu vas avoir un plexus qui se trouve ici. Ça veut dire que la fameuse attache va se retrouver sans doute un petit peu plus centrale. Et donc les côtes, bah, elles vont suivre un chemin. Tu vois, un peu différent en fait. Ah, c'est beaucoup mieux. Et la tête, du coup, il faudra peut-être refaire le même boulot. Mais bon, la tête, elle a l'air de regarder vers nous. Mais elle regarde vers nous en étant un peu bizarre, d'accord? Donc la tête, si tu veux la faire regarder vers nous, construis quand même alors un truc costaud au niveau
au niveau de la tête de squelette. Ça va? Parce que là, elle est toute petite et toute renfrognée. Fais-lui quelque chose tu vois, de plus construit en dessous des cheveux. Quitte à faire les cheveux sur un autre calque. Puisque D'accord, le dernier feedback, ce sera vraiment de travailler sur des. Regarde un petit peu les références pour avoir la construction des mèches, tu vois. Pour comprendre comment les flots vont donner cette forme-là, etc. Ouais, donc ça serait vraiment mieux de le faire sur un autre calque. Oui, hein, ouais. Fais la tête. Et après, essaye des coiffures sur un autre calque. Parce que si je me souviens bien, il a vraiment les cheveux au vent, juste dans un seul côté. De l'autre côté, ils vont tous par là. Ils sont dedans, tu vois. Mais ce sera plus facile de faire ça une fois que tu auras le crâne complet. Ok? Ok, merci. Très bien parti. Peu de perspective aussi, mais c'est là quand même. Du coup, il va falloir rebosser un peu le pied qui est ici en fait. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Très bien, super. Ça va bien me faire marrer de voir ça en 3D. Merci. J'ai vu tout le monde là. Ok, j'ai vu tout le monde. Il est 40. Aurélien, l'alpha. C'est moi. Oui, attendez. Attendez, hein. Attends parce que... Donc ça c'est Michele. Accentue la perspective aussi, s'il te plaît, parce que pour le moment c'est aussi très très horizontal comme perspective. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de décalage. Très bien pour la tête, hein. De trois quarts c'est vraiment bien fait. Mais alors à partir des épaules, faut commencer les décalages, s'il te plaît. Je t'entends à peine, hein, mais je crois que j'ai compris que tu avais. C'est mon micro qui a été pas tourné dans le bon sens. Ah oui, là. Oui. Du coup, je disais, j'ai mis mon lien dans le serveur FTP, mais ce sera peut-être plus rapide si je le poste ici. Qu'est-ce que tu appelles? Ah, le serveur FTP, d'accord. Ah oui, bah écoute, j'ai pas repris. Oui, poste-le là. Voilà, parfait. Donc moi, mon souci, c'est que terrible. Sur Substance, ça fonctionne très bien. Oui. Donc toi, tu veux que l'alpha soit apparente ici, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Sur Substance, ça fonctionne très bien, mais sur Sketchfab, pour une raison que j'ignore, il ne comprend pas les informations qu'il y a entre le noir et le blanc, et du coup, il me rend tout invisible lorsque je mets l'alpha au max. Dans Sketchfab, enfin, je baisse l'opacity, quoi. Si je me souviens bien, dans Sketchfab, est-ce que j'ai fait de l'alpha quelque part, moi, ici? Et pourtant, mes maps sont noires et blancs. Oui. J'ai essayé de les inverser, et ça me fait la même, en fait. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est pas ça. La seule chose que j'ai pas testée, c'est de sortir... De sortir l'alpha avec pas de fond du tout, en fait. Non, en fait, ton alpha, ça va être dans la... Est-ce que j'ai mis de l'alpha sur les cheveux? J'en ai pas mis. En fait, dans ta map de couleur, tu vas rajouter un alpha et mettre ta map d'opacité dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et l'inconvénient, c'est que mes poils, j'ai suivi votre conseil, mes poils ne font pas partie de ma de la map de base de mon... Ah non, mais je suis débile. Non, t'as la couleur des poils. Oui, j'ai la couleur des poils, au secours. Hein, dans la couleur des poils, donc ça veut dire que tu ouvres ta map de couleur de poils. Donc par exemple, on va dire que ça, c'est ma map
de couleur de poils. Ouais. Tu rajoutes un channel. Dedans, tu colles l'alpha, l'opacité. Ouais. Ce qui est blanc doit être vu, ce qui est noir va être caché. Et tu sauves ça en TGA. D'accord? Ok. Parce que le TGA te permet de sauver en 32 bits, c'est-à-dire que tu as RGB 8 bits, 8 bits, 8 bits, ça fait 24, plus l'alpha 32. Et donc tu encodes. Si je résume, tu mon encodes. Alpha est dans ma base color et je le sors en TGA. Ouais, TGA 32 bits. Et tu charges ça dans ton albédo. Donc ici, et tu lui demandes de Alpha Mask, tu le mets on. Et normalement, il va aller chercher le masque, tu vois. Ah non, c'est pas là. Il va le faire automatiquement, je crois. Vous voyez, il fait add grayscale or alpha texture, et là du coup lui il me le comprend pas en alpha quoi. Sur ça, quand je mets ma map d'alpha là-dessus. Oui. Du coup, je vais faire ça. Je vais faire ce que vous avez dit. Maintenant, si l'alpha masque ne fonctionne pas, tu peux essayer aussi l'opacité. J'ai testé les deux. Et c'est l'opacité le pire. Sur l'alpha map, il ne me réceptionne pas mon alpha. Ouais. Donc du coup, bah, ça reste en okay. Carré comme ça. Et sur l'opacity, peu importe le type d'opacity que je vais tester, il va juste tout me rendre transparent en fait. Ok, essaye ça et puis on pourra encore débugger ça une autre fois. Ça va? Mais essaye déjà ça. Ok, ça va. Je vais tester ça. Merci monsieur. Merci. Hein. Alors, je vois qu'il y a sinon, encore... Sinon, Aurélien, tu peux tout recommencer, hein. Moi, je trouve ça raté, quoi. Ouais, mais je trouve aussi, en vrai... je trouve aussi... Ici, faut... Monsieur, si j'ai le temps, avec tous les travaux qu'on nous a donnés, là, je vais faire le perso squelette, là, que j'ai fait en 3D. Parfait. Merci, Di. Je continue ici le feedback, donc ici, il faut... accentuer encore la perspective. Hein. Là, tout est horizontal aussi, donc il faut vraiment créer des décalages et essayer d'arriver à un résultat avec un raccourci en perspective. Pour le moment, ça c'est encore fort plat, tu vois, symétrique de face. Il n'y a pas de vue de trois quarts vraiment au niveau du visage. Il y a une légère vue de trois quarts au niveau des pieds, mais au niveau des lignes de rappel, tout est horizontal. Donc il faut vraiment penser en perspective. C'est des volumes simples, hein, donc il y a moyen d'analyser ça en volume simple. D'accord. Et vous avez peut-être une technique pour donner un volume naturellement, parce que j'ai un peu du mal avec ça, de vraiment donner l'impression que. Oui, c'est donc d'analyser ton dessin avec des volumes simples. Donc par exemple, attends, ce que je vais peut-être faire, c'est faire un snip, pop, hop, pop, repartir sur Teams, boom, voilà. Mais ici, je crois que ça vaut même pas la peine que je redessine dessus. En fait, je vais juste redessiner à côté. Donc, je vais même le bouger, voilà. Donc ici, tu vas déterminer où est ta ligne d'horizon. Donc par exemple, ici au niveau des yeux. On va mettre du rouge. Ah, ok. Mode, on va se mettre en RGB. Voilà. Donc,
Donc on va voilà, déterminer où est la ligne d'horizon, hein, c'est les mêmes ingrédients. Donc déterminer comment va être ton réseau de points de fuite, d'accord? Et puis si on place le volume de base de la tête ici-dessus, ben, on aura quelque chose comme ça. Avec la ligne médiane qu'on va mettre. Tu vois, légèrement de trois quarts pour avoir ce décalage. C'est-à-dire que les narines vont être de part et d'autre de cette ligne médiane. Et ça veut dire que les yeux vont être de part et d'autre aussi de cette ligne médiane. Avec un œil qui sera dans le raccourci et un œil qui sera dans la partie un peu plus dépliée. D'accord. Donc ça veut dire que tout le reste va être fait à partir de ce genre de construction. Donc là, s'il a un cylindre qui lui vient sur la tête pour faire le chapeau, bah, là maintenant on est en contre-plongée vu qu'on est au-dessus de la ligne d'horizon. Et donc on aura un chapeau voilà, qui va être avec une courbe dans ce sens-là. Et puis tu lui donnes la forme que tu veux. Tu peux le cabosser si tu veux. En dessous, bah, on sait qu'on a la mâchoire qui va être ici en avant. Avec les dents qui vont se greffer ici, on peut suivre un petit peu plus le. Puis ici, alors on a. Donc ça ne me dérange pas hein, que ce soit des formes simples, mais il faut que les formes simples soient elles aussi en perspective. Et de toute façon, tu feras un habillage complexe dessus, tu vois. D'accord. Et donc que les pieds soient bien décalés aussi. Avec les genoux. Là, je fais le boulot pour toi. Hein. Tu vois, là, c'est décalé avec plus ou moins les bonnes proportions et les bonnes formes. Maintenant, ça, on peut dire que c'est des trous et les yeux sont plus à l'intérieur et on a l'impression que les yeux sont au milieu, mais c'est des trous. Donc ça, c'est avec les jeux d'ombre et de lumière qu'on pourra montrer D'accord. la cavité, etc. D'accord. D'accord, merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui me veut demander un feedback? Donc ici pareil, hein, plus de décalage. Très bon hein, au niveau de ton trait, etc. Mais les décalages, bah, il n'y a pas de perspective. Et ici, il sait très bien, mais il penche en avant. Donc tu vas pouvoir aussi faire la même opération. Donc ici, si je prends le. Alors, ok. Donc si je prends la base de sa nuque et que je descends ici, bah, on voit que entre ses pieds, bah, je suis là. Donc là, il a la tête en avant. Donc il est penché en avant, il va tomber en avant en fait. Bon, même s'il ne tombera pas, on va le rétablir rapidement en faisant un CTRL-T et en remettant sa tête entre ses jambes. Et là, tu vois, en fait, c'est très peu de choses, hein, mais ça va tout changer au niveau de l'équilibre. Et tout le reste est bon. Il y a juste une chose que tu peux changer, c'est, bah, tu vois, tu as des bons décalages partout, d'accord, qui suivent bien une structure que tu as établie, sauf cette ligne-là qui va dans l'autre sens. Donc, tu as tout qui va dans ce sens-là, d'accord, et qui est bien vu, et tu as juste cette ligne-là qui va dans l'autre sens. C'est la base des pantalons. Et donc la base des pantalons, en fait, tu vas pouvoir bah, la faire dans l'autre sens, en fait, pour que les deux, que ce soit la même distance, plus ou moins, enfin, en perspective, quoi. Il y a plus que ça à changer, en fait. Ça va? Voilà. Voilà.
Ok, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais fermer, donc là, je vais arrêter l'enregistrement.